to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Je comprendrais très bien que nombre de fans de The Ocean considèrent Holocene comme une sorte de trahison. The Ocean est un groupe de post-rock progressif allemand donnant dans le concept album et le growl. D'ailleurs, avec parfois tellement de hurlements que pendant longtemps, je l'ai snobé. De rebond en rebond sur Bandcamp, je suis tombé sur Holocene, le dernier chapitre de leur saga paléontologique dont j'avais survolé quelques morceaux. Holocene est très différent des autres albums. D'abord parce que le chant hurlé est en pleine régression sorti des derniers morceaux. Ensuite parce que les claviers à touche électronique gagnent beaucoup de terrain dans leur composition. Du coup, j'ai adoré. Adoré au point de remonter dans le temps et découvrir le cycle paléontologique complet, même s'il gratte un peu mes oreilles avec ses hurlements. Holocene, ce sont 8 morceaux pour 52 minutes et 3 pièces relativement longues. Son écriture est nettement plus post-rock alternatif que metal, même si à la fin, le growl revient en force, comme pour rappeler qui ils étaient. Alors je sais qu'Alias a été un peu déçu par cette conclusion trop lisse. Moi, j'ai été ébloui. Des fois, comme dans un couple, on se dispute un peu de temps en temps, mais c'est ça aussi l'amour. Un des trucs qui m'a vraiment plu, c'est le chant posé sur les notes électro du premier morceau, Pré-Boréal. Une écriture qui se poursuit sur Boréal et qui ressemble beaucoup aux dernières expérimentations d'un collectif que j'adore, à savoir Archive. Et puis il y a ces touches de cuivre assez discrètes comme dans Sea of Reeds qui me font songer à un autre groupe de la même mouvance, Crippled Black Phoenix. Une impression renforcée par la voix de Karin Park sur Unconformities. Mais The Ocean n'oublie pas de s'énerver aussi un peu à partir de Atlantic et même de lâcher quelques gueulantes bien senties dans Sub-Boreal. Tout le monde connaît le Crétacé paléogène. Mais si, vous savez, l'extinction des dinosaures comme dans l'âge de glace. Oui, la grosse météorite ou comète qui tombe sur la Terre explose comme plein de bombes nucléaires et qui engendre un long hiver. Mais connaissez-vous l'Holocène? Il s'agit de l'extinction massive des espèces de nos jours, une extinction que l'on doit presque exclusivement à l'homme. Nous sommes tellement cons que tout seul, on fait plus fort qu'une grosse météorite. Ben, c'est ça l'histoire de cet album. C'est peut-être pour cela qu'il est si différent. Difficile de vous dire ici à quel point je suis amoureux de cet album, à part vous expliquer qu'il contient tout ce que j'aime avec le parfait dosage. Il y a du post-rock, du métal, de l'électro, du prog, du growl, du chant clair et féminin, de l'émotion, des cuivres, du piano, un message. Bref, pour moi, c'est une merveille. Alors allez l'écouter, au moins une fois dans son intégralité sur Bandcamp par exemple. Après on en rediscute si vous voulez dans les commentaires. Cela devrait meubler votre semaine oisive avant qu'on se le retrouve lundi prochain. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique, et même si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Et si vous voulez suivre les prochaines, eh bien, abonnez-vous. Bisous !